Mais j'ai froid. Elle est sale en plus. Elle est très sale et très froide. On adore. Pas du tout. Zou, ça dégage. Je sens plus mes pieds. Coucou Calice. Coucou. Bon, je pense qu'elle est nickel là. Elle est toute sale. Elle est nickel verte. Hello les Mamelles Fans. Hello Matana, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, Calice est en train de nettoyer une piscine. Où sommes-nous? Quelque part. On est en Normandie. On est en famille pour faire anniversaire de Calice ce soir. Et là, cet après-midi avant, on va profiter de la piscine qui, depuis l'été en fait, vous voyez, est en hibernation déjà. Donc la pompe à chaleur est arrêtée, l'eau est à 12-13 degrés. Il n'y a plus d'entretien avant l'été prochain, donc c'est pour ça qu'elle commence déjà à être un petit peu verte. Eh bien malgré tout, on va se faire un petit challenge tous les trois, le dernier qui sort de la piscine va gagner. D'accord. Elle est à 12-13 degrés, je le répète, et puis il y a des petites algues déjà qui commencent à se former, c'est normal, c'est naturel. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. On va se mettre en maillot, on va se changer, et on va aller dans la piscine. Allez c'est parti, on se change c'est maintenant. Parti. Et voilà, ça y est, on est en tenue. Est-ce que t'es prête, Athéna, avec ta petite chauve-souris, Athéna. Avocat. C'est pas une chose. Super, avocat. Wouhou. Et toi, Calice, avec ta magnifique serviette ananas. Je sèche, c'est magnifique. Ouais, elle est magnifique, la serviette Vampire. Ananas. Vampire. Ouais. Vampire ananas. Ah bien, moi aussi, hein, je suis en tenue, voilà, avec ma petite serviette coca. Je vais poser la caméra ici. Allez, je la pose là. On va être dans l'eau, mais là-bas. Ah. Là-bas, on a papier. Et on va revenir ici. Ah. Là, regardez. Là, il y a des marches. Donc, évidemment, on a tous pieds. Il faut qu'on rejoigne les marches déjà. D'accord. Allez. Ok. Athéna, en position. On met les pieds à 3. 1, 2, 3. Mais elle est jolie. Bon, je crois que je vais sortir tout de suite. Il y a un petit rebord là. Si vous voulez déjà prendre appui sur le rebord. J'ai la chair de poule, ça se voit pas. Il faut qu'on arrive là-bas déjà. On va jamais y arriver. Allez, non. Cap, au moins ça, après on verra. Eh bien, bon courage. Hein. Allez. Hop. Je attends. Sais pas comment y aller. On fait le tour. Bon, ça va, tranquille. Ouais, ça va, tranquille. C'est pas plus froid qu'une rivière, hein. C'est froid, une rivière. Oui, d'accord. Je vais pas. Bah, comme tu veux, Athéna. Bon, bah, c'est entre toi et moi. C'est entre toi et elle. Non, entre moi et toi. Non. Non. Allez. Allez. Bon courage, hein. C'est bon, j'arrive. Vite, cours. J'arrive, caméra. Attends, je te rejoins. Oups. Une fois qu'on est dedans, elle est super froide encore. Hein. Mais quand on bouge, ça va, mais après, il faut pas qu'on bouge. C'est un peu le truc. Ah, bonjour. À toi de jouer, Calice. Je reviens. Et il y a un super cadeau, hein, à la clé. Un cadeau bonus, hein. C'est pas un cadeau d'anniversaire. On est là pour l'anniversaire de Calice en famille. On est au mois de septembre. Oh la tête. Oh la tête, elle souffle. Oh. Athéna est là. Ah, c'est... Oh, c'est encore pire après. Cette blague là. Bon, le dernier qui sort a gagné. Ouais. Et en fait, elle commence à être chaude. Oui, en plus. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc peut-être qu'on peut se faire des petites questions. Si vous répondez bien, vous avez le droit de sortir. Mm-hmm. Laissez un petit pouce en l'air. Mais toi, t'as pas le droit de sortir, du coup. Pour nous encourager. Elle est sale, en plus. Ouais, elle est très bien. Elle est très sale et très froide. On adore. Pas du tout. On s'inquiète pour nous. Je comprends. On va appeler les pompiers. Ouais. On va avoir une hypothermie. Alors. Allez hop, on se réchauffe entre nous. Donc, bah oui, mais c'est de la triche, ça. Bah non. Bah si. Tu commences à avoir froid, Calice? Non. Si. Non. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Qui suis-je? En secret? Pas loin. Le silence. Non. Un mystère. Moi, je dirais sa parole. Oui, c'est ça, la parole. Ouais, j'ai le droit non. de sortir. Non, bien sûr, parce que moi je connais les réponses. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? L'âge. Bravo. Allez, t'as le droit de sortir. Ouais. Allez, 10 secondes. Ouais, t'as fait le tour de la piscine et tu reviens. Là, okay. Allez, en courant. En courant. On va te réchauffer en plus. T'as trop de chance. Ouais, mais non, parce qu'après il va falloir re-rentrer et ça je pourrais pas. Maintenant, faut que tu reviennes. Et ça, c'est compliqué. Ah, elle est plus chaude. T'es pas obligé de dans la piscine devant la caméra. La vue est magnifique, Athéna. Ah.
Et sinon, elle est toute chaude. On refait un aller-retour ou je sais pas. Elle est toute chaude. Elle est toute chaude. Elle est pas toute chaude, elle est toute froide. Elle est toute chaude après quand on fait un tour. Allez, on continue. Chez. Alors, à quelle question on ne peut jamais répondre oui? Celle-là. Si tu peux, oui. Ah, Pardon, tu veux tomber. J'ai plus pied là, je suis en train de reculer. Dis non. J'ai failli tomber dans l'eau, hein? Dis non. Bah non, c'est pas une question d'abord. Ah, vous ne savez pas? Non. J'aurais pu accepter deux questions, mais bon. C'est, est-ce que tu dors? Et est-ce que t'es là? Parce que si tu dors, tu peux pas répondre. Mais il y a des gens qui disent oui. Bah c'est qu'ils ne dorment pas. Et après, j'aurais pu accepter, est-ce que t'es mort? Là, par contre, là, ça marche pas, guys. Il y en a qui disent oui. Ah bah non. Non. Qu'est-ce qui a quatre doigts et un pouce, mais n'est pas vivant? Un mort. C'est vrai, un mort. La main d'un mort. Allez, je compte que c'est vrai. Mais en fait, c'est un gant. Bon, allez, fais un tour en courant, tiens. Ça va te faire du bien. C'est du génie. Bon, Calice, t'as pas froid? Non. Qu'est-ce qui ne peut pas parler, mais répond quand on lui parle? Bah non, puisqu'il peut pas parler, logique. Oh, je suis encore tombé. Un truc. Un SMS. C'était l'écho. L'écho. Attention, je vous suis tout le temps et copie vos mouvements, pourtant vous ne pouvez ni me toucher ni m'attraper. Qui suis-je? L'ombre. Ah, en même temps, hein. Allez, toutes les deux. Mais non, mais moi je veux rester ici. Ah bon? Oui, parce qu'après je pourrais pas re-rentrer. Et plus il y en a, moins on en voit. Qu'est-ce que c'est? Plus il y en a... Des trous. Moins on voit. Eh, on est en train de nous filmer, c'est pas juste. Plus il y en a, moins on voit. Qu'est-ce que c'est? La buée. Ça marche. Ouais, c'est vrai, ça marche. Allez, Jacques, tu peux faire un tour. Non. C'était l'obscurité. Ah ouais. Qu'est-ce qui a plusieurs clés mais n'ouvre aucune serrure? La clé de sol. Une clé dans un escape game. Ah, t'es pas loin, Téna. La clé de nuit. La clé de... Ouais, donc ça s'appelle le... La clé de musique. Musique, ça s'appelle comment tout ça? La clé de do, la clé de sol. Les notes. Le sol. Fège. Oui, bravo, t'as le droit de faire un tour. Calice qui a répondu. Oui. T'as le droit de faire un tour. Je veux pas. Si tu veux pas sortir, tu fais un aller-retour à la nage, Calice. Non, je préfère sortir. Bah sors. Eh ben d'accord. Sors, la clé de sol. C'est froid. Tu fais le tour de la piscine? En courant. D'accord. Ou en marchant, ça dépend. Bon, alors. Bah, tu peux le faire en courant, hein. J'ai froid. Je peux pas courir, j'ai froid. Ah putain, ça te refroidit? Oui. Ah bah c'est trop refroidi, le but du jeu c'est d'avoir un avantage, donc tu restes dans l'eau à ce moment-là. Oui. Toi, Athéna, ça te réchauffe. Chaleur. Ouais, moi aussi ça me réchauffe, je préfère être à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est marrant ça. Alors dans ce cas, tu veux quoi comme avantage si tu réponds bien? Dis-moi, allez, tu veux quoi? Je suis très bien ici. J'ai un chapeau, mais pas de tête. J'ai un pied, mais pas de chaussures. Qui suis-je? Quelqu'un tout nu. Un nudiste. Non. Ah. Un champignon. Ah oui. Ah ouais. Qu'est-ce qui n'a pas de pattes, qui n'a pas d'ailes, qui ne peut pas ramper, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas nager, mais qui s'enfuit quand... j'ai bu la tasse. Ton chat dans la gorge. Ouais, j'ai bu la tasse de l'air. donc il fait tout ça, mais qui s'enfuit quand on l'attrape? Un blob. Non. Les trucs que t'essayes d'attraper. Un savon. Oh. Allez, zou, ça dégage. Qu'est-ce qui monte et qui descend, mais qui ne bouge jamais? Un petit poids dans un ascenseur. Mais non, qui ne bouge jamais. Bah, ça bouge pas, le petit poids. Il bouge pas, le petit poids. Bah oui. Ah oui, c'est vrai, il bouge pas. Voilà, j'ai gagné. Ok, d'accord, je suis à la corde. C'était quoi? Ouais. C'était quoi? Ah, c'était un escalier. Ah ouais. Ça marche aussi. Oui. Est-ce que vous avez froid? Alors, faut sortir, hein. Mais j'ai froid. Ah bah, sortez. Non. Jamais. Ah, je suis encore tombé, c'est froid. J'ai pas froid du tout, je vois pas de quoi vous parler. Ouais, moi non plus. Bonjour. Ah. Chut. On est pas bien là. Non, j'ai froid. Tu veux sortir? Oui. Tu peux? Bah alors dans ce cas, je me mets comme elle. D'accord. Ah, c'est beaucoup mieux là. Qu'est-ce qui a des pieds mais ne marche pas? Athéna. Une chaise. Mais moi je marche. Une chaise. Même moi je commence à avoir froid, j'arrive pas à me concentrer sur les questions et les réponses. Alors, qu'est-ce qui se trouve une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans une heure? Un M. La lettre M, bravo. La lettre M, oui. Ouais. T'as le droit de faire un tour de piscine. Qu'est-ce qui a plein de dents, mais qui ne peut pas mordre? Une baleine. Non. Allez, Athéna, rejoins-nous. Qu'est-ce qu'on coupe sur une table, mais qu'on ne mange jamais? L'appétit.
Un jeu de cartes. Ça marchait. Et moi j'ai froid, je veux sortir. Bah vas-y, sors. Je sens plus mes pieds. Qu'est-ce qui est à la fin d'un arc-en-ciel? Un trésor. Une baleine? Une baleine. De l'eau? Non, la lettre L. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui a des mots mais ne parle jamais? Une lettre. Une lettre. Ouais, ça marche. C'est un livre normalement. Mais une lettre, ça marche. Tu peux faire un tour de piscine si tu veux. Ah, moi je sors. Tu t'abandonnes? Oui. Attention, Thalys s'abandonne. J'arrive même plus à prendre la caméra. J'ai les doigts qui sont rigidifiés. Mais ça... Ah, quand je tends le bras, ça me fait mal. Là, tu peux sortir. Il y a ta serviette qui t'attend. Oui. Ah, Athéna. 1, 2, 3, 4. Athéna, il reste plus que toi. Et toi. Et moi. Oui. 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 Eh, je te jure, j'ai mal au cou. Quand je tends le bras, tu sais, j'ai mal. Tu fais pas ça quand tu tends le bras, t'as une petite douleur au niveau du coude. Non. Et les doigts qui sont un peu rigidifiés. Non, bouge pas, c'est de la triche. Non, reste assise. Hop. Hop. L'homme qui m'a inventé n'en a plus besoin. L'homme qui m'achète n'en veut pas. L'homme qui en a besoin ne le sait pas. Qui suis-je? Un homme en plus? Non, mais l'homme avec un grand H. Dieu. On n'achète pas Dieu sur eBay. Un inventeur. Non, une poupée. On n'achète pas des hommes sur eBay. Une poupée. Non, t'es un cercueil. Ah d'accord. Ah oui, tiens, d'ailleurs j'avais une idée, je voulais faire un 24 heures dans un cercueil. Dites-nous si vous aimez l'idée. Pourquoi pas. Après. Je suis le seul légume ou fruit qu'on ne peut pas acheter congelé, en conserve, cuisiné ou transformé. Qui suis-je? Le durian. Notre coco. Non. Je sais pas, tu sais toi Téna? J'avais dit du durian parce que personne n'a le courage d'empoisonner du durian. C'était... de la salade. De la salade? Oui. La salade en conserve, ça n'existe pas? Non. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. La salade surgelée non plus, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Quand on y pense. Et je vais inventer ça. Moi, je vais vendre de la salade en conserve. Ok. Et puis de la poudre, de l'eau en poudre aussi. C'est vachement pratique dans le désert. T'as plus qu'à mettre de l'eau, tu dilues et ça te fait de l'eau. Ouais. Eh ouais, il y a du génie dans ma tête. Eh ouais. Bon, tu sors ou pas, Athéna, là? J'en ai marre. Non. Quatre poissons sont dans un bocal. L'un d'entre eux meurt. Combien y a-t-il de poissons dans le bocal? Bah, 4, parce qu'il y en a qui nagent sur le dos. Oui, c'est ça. Ce qui est mort, il est toujours dedans. Ah, mais je peux faire un tour. Oui, tu peux faire un tour. Ah, de l'air froid. Allez, en courant, on a dit. Pff, la vache, il caille. Regardez comme c'est beau. Ça va, Téna? Je te jure, je sens plus mes jambes quand je cours. Non, en fait, c'est la... Ouais, c'est ni plus chaud ni plus froid quand on sort et qu'on se remet dedans, Calice. Ah non, moi je trouve que c'est plus chaud. Non, c'est pas. Oui, c'est peut-être un peu plus chaud quand on va dedans. C'est agréable en fait de sortir. Allez, Calice. Mais attends, elles sont nulles. Ouais, c'est pas grave, nous aussi. Ok, j'ai perdu presque toutes mes feuilles quand vient l'hiver, mais je ne suis pas un arbre. Qui suis-je? Le calendrier de l'Avent. Ouais, non, enfin, c'est un calendrier tout court. Vas-y, fais ton tour de terrain. Tu me likes ton tour de terrain. Non, mais j'en ai marre, moi je vais sortir en fait. D'accord. Il ne faut pas faire encore un tour de piscine. C'est vrai que j'ai pas envie de sortir non plus, faire un tour de piscine. Tu vois, c'est nul de sortir. Non, Athéna, bravo, t'es la meilleure. Moi je sors. Oh. C'est cool qu'il fait Athéna, en plus elle voulait pas y aller au début. Ouais. Mais on la connaît, elle est toujours prête à tout pour gagner un challenge. Mais à tout, hein. Incroyable, elle est prête à mourir pour gagner. Non. Allez, sors, c'est bon, t'as gagné, Athéna. Ah, c'est bon. Mais après, t'as reste, hein. Ouais, tu veux t'amuser, amuse-toi. Hein. Ah, puis je commençais à avoir vraiment froid, quoi. Bah, on va s'habiller, on va se sécher, on va se réchauffer, on se retrouve pour la conclusion et pour le cadeau, Athéna, que tu as gagné, d'accord? Ouais, oh, oh. J'ai un petit peu mal à la gorge, je te jure. A little later. Alors, ça y est, vous êtes réchauffés au soleil. Il y a du soleil, d'ailleurs. Calice, ça te gêne, le soleil? Oui. Bon, bravo Athéna, tu as gagné ce challenge dans l'eau froide et sale de tonton. Bon, alors Athéna, avant de te donner tes cadeaux, il y a quand même un petit cadeau de consolation pour Calice. Ouais, souviens-toi Calice, quand on était cet été parti en vadrouille, on est passé par Strasbourg et il y avait un magasin de goodies. Tu te souviens? Je crois, oui. Et j'avais acheté un truc, une petite surprise, ça. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi bruit. Ça va te plaire, c'est un cadeau de consolation en plus. Oh, c'est trop mignon!
Allez, pendant que tu l'ouvres, je vais donner les cadeaux à Athéna. Ah, Athéna, je vais te donner déjà un petit jeu. J'ai besoin d'une ou deux mains pour le prendre. Un petit jeu de société, ouais, je vais te donner. Un petit jeu de société, voilà, parce qu'on aime bien jouer aux jeux de société, on pourrait jouer ensemble. Dodelido. Voilà, c'est un petit jeu. Ouais. Acheté. Voilà. On va jouer ensemble, c'est sympa, je pense. Ah, c'est quoi? C'est Bakugo, c'est trop bien. Tu aimes bien? Ouais. Un petit porte-clés. Eh, hey, il est incroyable. Elle est contente, elle a perdu, mais elle est contente. Oui. Elle est contente de perdre. C'est pas tout, Athéna. Athéna, maintenant, un peu de lecture. Tu as gagné un manga. La tête de Calice, un manga. Un manga. Avec, bien sûr, un nouvel épisode, ouais. Un nouveau tome. Tome de Zozo Zombie, le volume 6, t'adores Zozo Zombie, t'as été rendu le volume 9. Non, si, c'est un 9. C'est chouette, ah hein. Oui, c'est dans ce sens-là que ça se prend. Oh, il est choupi. Il est gentil, lui. Il s'énerve tout le temps, mais il est gentil. Athéna, je sais que t'adores les chiens. Eh bien, je t'offre un chien. Il est rentré dans ce sac. Oh, mais... Ah, il bouge, ah, il bouge. Ah, bah, il est mort. Non, Athéna, Athéna, en fait, elle aime pas les chiens parce qu'ils arrêtent pas de la lécher. Voilà. Ils aiment pas. Puis quand ils sont un peu méchants qu'ils aboient, elle aime pas trop non plus. C'est normal. Ça, c'est normal. Eh bien là, bon, ça va. C'est pas un chien. C'est une BD sur les chiens. Le tome 2, tu avais déjà lu le tome 1. C'est sorti au mois de mai. Tu vas pouvoir te régaler avec une nouvelle BD. Elle arrête pas de lire des BD, des mangas. Et des magazines, Athéna. Surtout des BD et des mangas. C'est un Shiba. C'est un Shiba, c'est tout ? Bah ouais. Ok. Bon, est-ce que ça vous plaît ? Oui. Est-ce que t'es contente, Athéna, d'avoir gagné? Oui. Mais en cas de consolation, je savais que ça te plairait, une petite surprise comme ça. Voilà, comme ça, parce que vous avez bien mérité. Moi, j'ai rien gagné, mais c'est pas grave. Trop triste. J'ai gagné... Notre reconnaissance. C'est déjà bien. Enfin, la mienne, en tout cas. Athéna, je sais pas. Athéna, j'ai gagné ta reconnaissance. Quoi? Je crois que ça veut dire non. Oh bah sympa. Et vous savez quoi, il y a les grands-parents qui viennent juste d'arriver. Parce que nous on est arrivés les premiers, on va faire ça en famille. On était les 15 first. Ans, Calice. Et encore bon anniversaire. Oui. Voilà, on va faire ça ici. Avec le tonton, avec les grands-parents, avec les cousins. On va voir Maureen, on va voir Jody. Mais on n'a pas de cousins, on a que des cousins. Maureen et Jody, c'est quoi? C'est des cousines. D'accord, mais c'est pareil, mais avec un à la fin. Bon, ouais, gros bisous à tous. C'était un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis à très vite sur Studio Bubble Tea. Bonne lecture, Athéna. Et surtout, Athéna, n'oublie pas. Soyez vous, soyez bien, soyez bon. Et vivez vos rêves.